Bonjour à tous et bienvenue dans Coach Collège. Aujourd'hui, nous allons vous parler des notes. Mais moi, j'ai de mauvaises notes, je suis trop nulle. Mais non, Erwan, écoute ça. La première règle est ne pas se rabaisser si on a des mauvaises notes. Oui, comme l'a dit Hermione, il ne faut pas se rabaisser. Tout le monde fait des erreurs, même nos parents. Le plus important, c'est de comprendre nos erreurs. Et puis surtout, ce ne sont que des notes, elles ne vont pas vous manger. Oui, mais souvent on a peur de décevoir nos parents. C'est vrai, il faudrait que tout le monde s'intéresse moins aux notes et plus à ce qu'on apprend. Oui, savoir si on fait des progrès et qu'on s'améliore plutôt que vouloir à tout prix la moyenne ou plus. Pour ça, il y a plusieurs solutions possibles. Développer l'évaluation des compétences sans notes, avec par exemple acquis, non acquis ou encore l'acquisition. Oui, on peut aussi faire disparaître la moyenne de la classe pour enlever trop de compétition entre les élèves. Ces changements peuvent aider les élèves à avoir plus de confiance en leurs capacités et surtout moins stressés. En plus, les notes ne renseignent pas toujours bien sur ce qu'on a réussi ou non. Oui, on retiendra juste un chiffre sur 20 plus ou moins bon. En plus, on risque de se concentrer sur ce qui rapporte le plus de points au lieu d'apprendre les notions complètes. Donc en fait, les notes peuvent nous pousser à moins bien apprendre? Oui. Donc au final, le but n'est pas d'être le meilleur de la classe, mais avant tout, d'apprendre le plus de choses possible en comprenant le mieux possible. Oui, chacun a son rythme et à son niveau, sans classer les gens pour démoraliser ceux qui sont à la fin. D'ailleurs, il y a même des gens qui réussissent bien dans la vie alors qu'ils n'avaient pas des super notes. Bref, quelles que soient vos notes, gardez le moral et concentrez-vous sur ce que vous apprenez. Voilà, c'était Coach Collège. On espère que ça vous a plu et que vous aurez de plus en plus confiance en vous. Coach Collège! Collège. Nous tenons à préciser que cette chanson était l'idée de Jade. C'est qui Jade? Bah, c'est la meilleure présentatrice du monde qui était absente aujourd'hui. Ah. Et à bientôt pour une nouvelle chanson. Non, une nouvelle émission. Oups. Ciao.